of winter in my cold cell. What the bell begins to chime. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, petite vidéo, hein, la deuxième du nom, donc sur le retour de mes achats films d'horreur, hein, exclusivement de l'horreur. Donc, on va continuer, hein, donc avec à peu près une vingtaine de titres. Hein, on commence tout de suite. Alors, le chef-d'œuvre de Wes Craven, Les Griffes de la Nuit, Nightmare on Elm Street. J'ai le coffret de l'intégrale en DVD et puis j'ai aussi le remake de Freddy qui était sympa en Blu-ray. Et quand je suis tombé sur celui-ci, le voir en haute définition qui est pour moi le culte, l'épisode culte de la saga. Culte, après ça n'engage que moi, mais si vous voulez, moi je l'ai vu quand j'avais 12 ans, j'étais en 6ème, je l'ai vu au cinéma, j'ai dû gruger d'ailleurs pour pouvoir rentrer, heureusement que je connaissais quelqu'un, sinon j'aurais pas pu forcément le voir, parce que les interdictions par rapport à l'âge, ils faisaient quand même assez gaffe à ça. Et Les Griffes de la Nuit, c'est un film qui m'a traumatisé pendant à peu près un an, mais on s'amusait à se faire peur, hein. Sur le chemin de l'école, quand on rentrait, il y avait une vieille usine désaffectée et régulièrement on allait là-bas en se foutant la frousse en disant que Freddy allait arriver, et quand on voyait des vieux morceaux de tissu, des toiles de jute, on les soulevait en se disant que peut-être il y aurait les griffes de Freddy Krueger en dessous. Donc voilà, ce premier volet, c'est mon préféré forcément. Il y a une valeur affective, on va dire, hein. Je l'ai vu énormément de fois. Je le trouve très très bien, parce qu'il y a quelques épisodes qui partent un peu en cacahuète, mais celui-là vraiment est une référence, hein. Il est vraiment excellent. Ensuite, un Frankenstein, hein, avec notamment William Hurt et Donald Sutherland. Donc, le mythe de Frankenstein. Je suis en train de me poser la question si j'ai celui avec Robert De Niro, parce que je me souviens l'avoir vu, il était pas mal. Après, il y en a d'autres, hein, y a d'autres versions. Celui-là me semble bien, mais je l'ai pas vu. Bon, après, l'histoire de Frankenstein, vous la connaissez, hein. Mais je pense qu'il est pas mal. Je sais pas de quand il date, si je le vois vite fait, sinon je laisse tomber. 2004, ouais, ça va. Donc, Frankenstein. Ensuite, une jaquette qui m'a interpellé, hein, The Jungle, hein, pas confondre avec le film Jungle, hein, actuellement, avec Daniel Radcliffe, hein, qui m'a l'air terrible. J'ai très envie de la voir, hein, j'essaierai de le choper dès que possible à un prix convenable. Toujours est-il que ce film, The Jungle, en fait, c'est un mec qui cherche, qui part dans la jungle, alors je sais plus si c'est indonésienne ou genre, hein, ouais, c'est ça. Et Maya qui arrive, hein, qui fait encore comme d'habitude, hein, la porte du saloon qu'elle pousse d'un coup violent avec sa patte. Je vais lui faire la petite place dans le canapé, sinon... Allez, vas-y Maya, monte. Allez, dépêche-toi. Putain. Donc, ouais, voilà. Donc c'est l'histoire d'un mec qui part à la recherche d'une race de panthères, d'une variante de panthères, et il s'enfonce dans la jungle, et là il va trouver des corps d'animaux décapités, etc. Et puis en gros, il y a des croyances locales morbides qui apparaissent avec une ombre qui s'approche. Donc ça m'a l'air sympa. Alors, Donnie Darko, on m'avait énormément parlé de ce film, donc j'ai voulu le voir. Chose faite, il y a quelques jours, j'ai pas tout compris. Hein. J'ai pas détesté, je peux pas dire ça. J'ai bien aimé certaines choses. Jake Gyllenhaal, pour un de ses premiers rôles, franchement, il assure. Drew Barrymore, Patrick Swayze, ça me faisait plaisir de revoir ces gens-là. Par contre, ouais, l'histoire, je crois qu'il va falloir plusieurs visionnages. Parce que j'ai pas tout compris avec l'histoire du réacteur de l'avion qui fait passer d'un univers A à un univers B, en gros. Il y a une histoire de voyage dans le temps, de ce qui est vrai, pas vrai, et c'est un peu compliqué. Honnêtement, pourtant, j'étais assez concentré, hein, mais j'avoue que j'ai pas tout saisi. Donc on verra.
J'ai essayé de lire des explications sur le net, les explications étaient aussi compliquées que le film, hein, donc ça m'a pas aidé un seul instant. Ensuite, j'ai pris Fantasme 3, hein, j'ai pas vu le 1 et 2, je les possède d'ailleurs pas, mais celui-là était à 50 centimes, j'ai dit je vais le prendre. Donc qui est vraiment le croque-mort, ce type immense qui hante les cimetières et les morgues, c'est ce que doivent découvrir Reggie et Mike. Régnant sur le royaume des morts, maître d'une légion de zombies et d'une armée de sphères meurtrières, le croque-mort ne se satisfait plus de cadavres embaumés, il attaque les vivants pour prendre possession de leur âme. Ensuite, j'étais très content d'avoir trouvé ce Régression avec Ethan Hawke et Emma Watson, hein, à 2 euros dans un cash, parce que c'est un film dont j'avais vu la bande-annonce et qui me donnait très envie. Hein, donc c'est le réalisateur qui a fait les autres. Ouais, ça m'a l'air bien sympa, hein, la peur trouve toujours sa victime. L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant. La victime, la jeune Angela, affirme avoir été sous la menace d'une secte satanique. Pour découvrir la vérité, le docteur Renz, un célèbre psychologue, est appelé à l'aide. Ce qu'ils vont exposer cache un terrifiant mystère qui concerne le pays tout entier. Ensuite, une jaquette culte, hein, cette espèce de drap déchiré cette bouche de femme avec des ongles qui font plus ongles de monstre, hein, griffes de monstre. Donc, Karen White, une présentatrice TV, fait une pause dans sa carrière à la suite d'un incident traumatisant avec un tueur en série. La police a pu la sauver en tuant l'individu dangereux. Mais Karen en est-elle réellement en sécurité? Sur les conseils du docteur Josh Wagner, elle rejoindra la colonie, un centre de repos de toutes sortes d'énergumènes y vivent. Ses cauchemars lui rappellent sa rencontre avec le tueur jusqu'à ce que celui-ci réapparaisse à la pleine lune et attaque les résidents de la colonie. Il me semble que je l'ai vu, hein, mais il y a super longtemps, donc n'hésitez pas à me parler de ce film, hein, si vous l'avez vu, pour me remémorer un peu tout ça. Ensuite, ce film, pareil, la jaquette, le titre, hein, qui m'ont interpellé, Le Morsure, film de Marc Bessinger. Un camionneur qui transporte une cargaison de cercueils prend en stop un couple gay. Le convoi se retrouve perdu au milieu de nulle part à la nuit tombée et des passagers inattendus font leur apparition. Bon, ça a l'air d'être un film de zombies, morsure, tout ça, ça se tient. Ensuite, j'avais demandé son avis à Kevin, hein, le chapelier Tokev, pour ce film de Rob Zombie. Savoir si ça valait le coup, il m'a dit que celui-ci était pas mal. Donc la maison des mille morts, je sais plus le titre original en fait, enfin le titre français, parce que là on a le House of Thousand Corpses, le film que certains voudraient que vous ne voyez jamais. Donc je sais qu'il est assez fan de ce personnage, hein, entre autres, mais je connais rien de ce film, hein, je vais pas vous enfumer, vous la raconter, et puis en fait regarder quelque chose à droite pour faire si je connais. Je connaissais que d'esthétique et film de Rob Zombie, je crois que j'en ai qu'un seul. Donc je verrai ce que ça donne. Alors, La Reine des Damnés, c'est un peu la suite d'Entretien avec un vampire. Moi, perso, je l'ai vu il n'y a pas super longtemps et j'ai pas accroché plus que ça. Hein. Vraiment, même pas accroché beaucoup du tout. Donc, je vous le conseille pas, en fait. Hein, mais voilà, La Reine des Damnés. 5150 rue des Ormes. C'est une histoire de joueur d'échecs, en fait, en gros. Alors... Le 5150 rue des Ormes se trouve au bout d'une allée tranquille dans une petite ville sans histoire. Suite à une chute de vélo, Yannick frappe à la porte et se retrouve séquestré dans la maison des Beaulieu. Une famille menée d'une main de fer par Jacques Beaulieu. Le père de famille propose alors un marché à Yannick. S'il arrive à le battre aux échecs, il pourra s'en aller librement. Original, comme histoire. La Féline avec Nastassia Kinski, je l'ai vu il y a super longtemps, hein. C'est un peu la Manimole, je crois, avec une histoire de panthère, hein. Je l'avais vu il y a super longtemps, mais franchement, parce que c'était sur, si je me souviens bien, c'était sur la 5 ou un truc comme ça. Bon là ça date de 2003, moi il me semblait que c'était plus vieux que ça. Nastassia Kinski dans La Féline, Cat People. Ensuite, lors des soldes, alors je sais plus si c'était le Black Friday ou les soldes après Noël, hein, de début d'année, soldes de janvier, je me suis acheté l'intégrale de la saison 1 de Ash vs Evil Dead avec l'excellent Ash Williams, hein, Bruce Campbell. Et franchement, moi la première saison j'ai adoré,
J'ai la 2 en dématérialisé, mais j'ai pas encore regardé. De toute façon, je crois que je m'achèterai celle-ci dès qu'elle sera à un prix correct. Donc la 2 en Blu-ray. Ensuite, tout récemment, c'était il y a 2-3 jours hein, chez Noz, j'ai acheté ce Show of Horror, donc avec deux films Pulse et Wolf Creek. Donc Wolf Creek, il me semble l'avoir vu, hein, trois jeunes partent visiter le cratère de Wolf Creek au cœur du désert australien. Cette nuit-là, ils retrouvent leur voiture en panne. Lorsqu'un autochtone leur propose de l'aide, ils se croient sauvés, pourtant le vrai cauchemar commence. Et concernant Pulse, j'ai lu des trucs, vraiment des avis complètement divergents, hein. Il y en a qui disent que c'est un bon film, d'autres pas terrible. Et en gros, c'est une histoire de passage avec l'électricité, hein, mais je sais pas grand-chose non plus de ce film. Je sais que le Chapelet Tokef en avait parlé dans une de ses vidéos et c'est ça qui a un peu, on va dire, déclenché mon achat. J'ai enfin trouvé Gutterballs. Gutterballs, c'est un film qui était notamment vanté par Tanguy, donc le Barbet fait son cinéma. Le seul truc, c'est que je l'avais commandé sur Price Minister il y a déjà un bail, hein, il y a 6-8 mois facile, et on me l'avait piqué dans ma boîte aux lettres. Donc depuis, je fais carrément différemment. Il a fallu une mauvaise expérience pour que je retienne bien la leçon. Donc ben, Gutterballs était dans ce fameux envoi de Price Minister, donc je n'ai forcément jamais reçu. Et donc là, je suis retombé dessus dans un cache, je l'ai pris. Donc une histoire de serial killer dans le milieu, on va dire, du bowling, assez original. On est loin du Big Lebowski, parce que là, je crois que justement, le tueur se sert d'une quille. Alors ensuite il y a Shuttle. Alors c'est un film que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps non plus, et ma fille l'a vu avec une de ses copines, et ils ont trouvé ça très très bon. Donc de retour d'un week-end entre filles, Mel et Jules arrivent à l'aéroport en plein milieu de la nuit sous une pluie diluvienne. Cherchant à rentrer chez elle au plus vite, elles réussissent à monter à bord de la dernière navette. Mais le soulagement cède rapidement l'angoisse lorsqu'elles s'aperçoivent que le chauffeur s'écarte de la route et se dirige vers une destination beaucoup plus obscure. Ce qui devait être un simple trajet va très vite se transformer en une longue descente aux enfers. Ça fait penser un peu aussi, il y avait un film que j'avais bien aimé comme ça, c'est Midnight Midtrain, je crois. Il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a un autre aussi qui est bien comme ça. Bon, je vais pas retrouver le titre, donc je vais arrêter tout de suite. Mais des gonzesses qui veulent prendre le dernier métro, elles sont enfermées dans le métro, et puis il y a une bébête pas très gentille qui va leur faire la misère. Ensuite, Horribilis, alors un film bien barré, hein, j'ai vu aussi encore une fois, hein, de toute façon, quand on parle d'horreur, on parle forcément du Chapelet Tokef, hein, je dis pas que c'est lui qui est horrible, mais c'est un genre dont il est friand et il achète beaucoup dans ce domaine, et il présente beaucoup d'achats et ou de rubriques, de vidéos à thème sur ce thème de l'horreur. Et donc là, bah, on reconnaît celui qui fait Merlin, le frère de Daryl dans Walking Dead. Donc en gros, c'est un mec qui est contaminé, je pense, par une espèce de masse gélatineuse, un peu à la Blob. Et il va avoir un germe mortel, en fait, hein, et très particulier, qui va métamorphoser l'hôte de cette horribilis germasse. I'm not a serial killer. Chaque ville a son monstre. À couper le souffle, novateur et délicieusement macabre. Donc, Christopher Lloyd, quand même, et ça fait quand même un bail que je ne l'ai pas vu dans un film, donc assez content. L'histoire a l'air terrible, et jouit d'une très bonne critique ce film. Je vous lis l'histoire, elle n'est pas très longue. John Cleaver aide sa mère lors d'autopsie dans le salon funéraire familial, obsédé par les monstres et les tueurs en série. Un peu comme Death Robot. Il sent au plus profond de lui qu'il pourrait succomber à ses pensées meurtrières du jour au lendemain. C'est alors qu'une série de meurtres secoue la petite ville où il habite et ravive ses pulsions. Un vrai monstre a débarqué dans les environs, et bien que la poursuite de celui-ci puisse être sa fin, John décide de le traquer. Après tout, qui de mieux placé pour comprendre un tueur en série qu'un adolescent secrètement sociopathe? Franchement, ça donne super envie, sincèrement. Alors là, c'est voilà, ça c'est typique du mec qui est pas raisonnable, parce que le Arak Attack, je l'ai déjà en DVD,
Mais là, quand je l'ai trouvé sous blister à 50 centimes dans sa version Warner Bros, mais vraiment, bah voilà, ces boîtiers-là, ils sont ce qu'ils sont, mais quand ils sont neufs, c'est très très sympa. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vieillissent très mal lorsqu'ils sont mal conservés. C'est, les gens font leur bourrin aussi bien à l'ouverture du clapet ou à l'intérieur, hein, l'endroit où se maintiennent, on va dire, les DVD. Souvent, les petites pattes qui empêchent le disque de se barrer, ben, sont cassées. En fait, en gros, c'est ça. Le gros souci, c'est que ce sont des boîtiers fragiles. Et quand ils sont manipulés par des gros bourrins de merde, eh ben, le truc est vite saccagé. Donc quand on les achète d'occasion, c'est pas super. Par contre, bah là, il était neuf sous blister à 50 centimes. J'ai pas pu résister parce que j'adore ce film avec David Arquette. Très série B, mais très jouissif. Moi, je l'adore. Il reste deux films à vous présenter. Donc cette vidéo sera un peu plus courte que la précédente, hein. Donc c'est Slash, Les Moissons Sanglantes. Je l'ai acheté hier, celui-ci, ou avant-hier. Slash est un groupe de rock, hein, comme le guitariste des Guns N' Roses, sur le point de connaître la gloire et la fortune. Emmené par le chanteur Joseph McDonald, le groupe a tout pour réussir. Le style, l'attitude, les groupies et bien sûr la musique qui va avec. Pour le moment, il roule vers l'inconnu, joue dans des clubs miteux et des restaurants mal famés. Alors que Mac était obligé de rentrer dans la ferme familiale pour l'enterrement de sa tante, des tensions naissent au sein de Slash. Mac entraîne le reste du groupe dans son sombre passé. Pour Slash, c'est le début d'une spirale infernale enfonçant le groupe dans la folie. Le rêve de rock'n'roll se heurte alors à une terrible vérité cachée. Mélangeant film d'horreur et rock'n'roll branché, Slash est un thriller sanglant avec frissons garantis. Le dernier film de cette sélection des deux mes derniers achats films d'horreur, hein, ça va être... les châtiments, pardon. Donc les châtiments, on voit une petite fille, hein, qui est envahie de guêpes et de serpents. Des nuages de sauterelles, l'eau des rivières subitement transformée en sang, des pluies de feu, êtes-vous prêt à affronter les châtiments? Donc, ouais, ça fait un peu biblique. Catherine Winter et Larry Swank, Oscar de la meilleure actrice à deux reprises, et professeur d'université. J'adore Hilary Swank. Mais elle passe le plus clair de son temps à démystifier des miracles en éclairant sous un jour scientifique ce qui n'est que superstition et croyance erronée. Cependant, elle ne parvient pas à expliquer les événements surnaturels qui ont lieu dans la petite bourgade de Haven. Il semblerait que cette paisible ville soit la cible des dix plaies bibliques qui ravagèrent l'Égypte. Plus Catherine avance dans ses investigations et plus ses croyances sont mises en doute. Elle doit découvrir la vérité car les plaies frappent et il n'y a plus de temps à perdre. Franchement, ça a l'air excellent. Je savais pas du tout que c'était ça l'histoire. Enfin, quand je l'ai acheté, je me souviens plus. Je sais que j'en avais entendu parler. La jaquette me disait bien et j'avais survolé, on va dire, le scénario. Et ouais, là, je suis encore plus content en fait parce que c'est vrai que ça a l'air vraiment très très sympa. J'aime bien cette approche. Voilà, c'était la fin de cette deuxième vidéo de mes achats récents spécificités horreur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Allez, ciao! Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule?